black and mixed and white. Excellent réveil sur Latina, El Son Latino à l'instant. Rakman Kenway, te regalo amore. Ce matin, dans le Latino Show, c'est un grand plaisir pour nous eh bien, de recevoir quelqu'un qui nous donne beaucoup d'amour, beaucoup de swing. Nelly! Furtado, ¿cómo se va, Nelly? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Y también quiero decir que tú me inspiras porque tú hablas francés, español y entonces inglés también, ¿no? Un poquitico. Porque yo quiero entender francés. Yo hablo solamente inglés y un poco de español y también portugués. Ah, je suis vraiment très bien. Elle nous dit que on l'a fait halluciner parce qu'on parle en espagnol, en anglais, en français et justement elle voudrait apprendre à parler français. On peut se proposer comme professeur, hein? Podemos ser profesores si quieres. Soy profesor, yo soy profesor. Sin problema. El nuevo álbum Mi Plan es el cuarto álbum, c'est le quatrième album déjà de Nelly Furtado et premier album en espagnol. Il paraît que tu attendais ce moment-là depuis 10 ans. Es el cuarto álbum, primer álbum en español. ¿Es verdad que lo estabas esperando de hace 10 años este proyecto? Ya, yeah, 10 años, porque mi primer álbum fue en 2000, ¿no? El año 2000. Y ahora, sí, yo tenía tantas experiencias de grabar en español. Mi primera vez con Juanes en 2002, el año 2002, y después con Calle 13, Baja Fondo Tango Club, como más. En mi álbum, mi tercer álbum, claro, yo tenía dos canciones en español. No Hay Igual y Te Busqué con Juanes, otra vez. Y ahora es mi momento porque es un placer para compartir a mi lado latina. Y mis emociones, mi pasión, es todo diferente en este álbum porque entiendes que es un otro lado de mí. Y ahora estoy muy contenta con los resultados. Yeah. Bah, elle est très contente avec le résultat de cet album, c'est le quatrième album. Et il faut dire que ça fait 10 ans qu'elle attendait ce projet. Elle avait déjà eu quelques expériences puisqu'elle avait enregistré avec Juanes, avec Bajo Fondo Tango Club, avec aussi Calle 13. Et dans son dernier album, il y avait déjà deux titres en espagnol, notamment à nouveau un duo avec Juanes. Mais pour elle, c'est vraiment très important d'enregistrer en espagnol parce que c'est une autre facette de sa personnalité, un autre côté de Nelly Furtado, son côté latina, comme elle le disait, et c'est intéressant, et elle est vraiment contente du résultat. Bah, le résultat est plutôt excellentissime, hein, et je vous propose de vous en rendre compte tout de suite avec le premier single de cet album, Mi Plan, Manos al Aire.